Que cherchez-vous, monsieur Goethe? Je cherche le chat beauté. C'est une longue histoire. Et oui, c'est que j'ai commencé par aimer les chiens. Dans mon petit village natal de Saint, dans les Hautes-Pyrénées, j'avais un chien de berger, picard, que j'adorais, avec des poils partout. Et un jour, ce chien de berger, pendant que j'étais à l'école, a été mordu par un chien enragé. Alors on a dû l'abattre. Et ça a été la plus grande douleur de ma vie. Une douleur mais tellement épouvantable que pendant tout le reste de mon existence, je n'ai plus voulu d'animaux. Et peu à peu, les femmes, et ma femme en particulier, avec leur pouvoir de goutte d'eau qui tombe dans la caverne et qui forme les stalactites et les stalagmites, ma femme peu à peu m'a insinué un petit chat. Et alors il s'est conclu une espèce de gentleman's agreement, comme on dirait dans le midi avec l'accent anglais. C'est-à-dire une espèce de pacte que nous avons même affiché à la glace de la salle de bain. C'est qu'il faut que je vous dise que moi, j'appartenais à une famille qui détestait les chats. Alors j'ai dit à ma femme, oui, c'est entendu, alors je vais le tolérer, mais à une condition, c'est que je ne le verrai jamais. Et qui sera toujours dans ta chambre bleue, avec toi, dans le gynécée, en somme. Alors toute la vie a été organisée autour de lui, a tourné autour de lui, et plus ce chat avançait, plus moi je reculais, en somme. Il y avait aussi les jeux, ma femme n'en finissait plus de jouer avec lui, et notamment un jeu qu'elle appelait d'un nom méridional, le ventrou. Le ventrou, qui consistait à lui caresser le ventre, ou la petite crêpe. Oh, la petite crêpe, qui consistait à le faire se retourner, rouler sur lui-même comme une crêpe que l'on roule dans la farine. Et ce qui m'agaçait dans ces folies, c'est que ma femme employait tout le temps des diminutifs. Et moi, en ma qualité d'ancien professeur de français et de puriste, je déteste les diminutifs. Alors elle disait à la papate, ou à la babale, viens à la babale, viens à la babale. Ou le cucu, ou le pipi, ou le caca, enfin, j'appelais ça du nom d'une maladie, la diminutivite. Et alors ce qui a été très grave, c'est qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était peut-être sous l'influence de la pollution atmosphérique à Paris, mais je me suis demandé aussi si ce n'était pas sous l'influence des poils du chat. Moi qui avais une excellente santé, j'ai été pris tout à coup, enfin ça a pris des années, j'ai été saisi d'une allergie qui consistait à moucher, à tousser comme ceci, à cracher, à éternuer des 10 fois, des 15 fois, des 20 fois à la suite. Et je suis allé consulter des médecins et je me disais, mais si jamais le médecin me dit que c'est une allergie due vraiment au poil du chat, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est qu'alors il faudra que ma femme choisisse, c'est le chat ou moi. Et heureusement, le problème ne s'est pas posé exactement de cette façon-là. Et le médecin, vaguement, ou plus ou moins vaguement, m'a dit que non, que c'était plutôt l'influence de la poussière parisienne. Mais heureusement, j'ai poussé un ouf de soulagement, parce que je ne sais pas si ma femme n'aurait pas choisi le chat. Et actuellement, ce qu'il y a de très douloureux, c'est que ce chat beauté est maintenant très vieux. Il a 16 ans, et d'après certains calculs, cela fait 106 ans. 106 ans, c'est peut-être un peu beaucoup. Alors mettons qu'il a 90, ou 91, ou 92 ans. Enfin, c'est un très très grand vieillard. Alors évidemment, il n'est plus le petit chat d'autrefois, il n'est plus le prince joyeux, le prince folâtre, qui finissait par m'émerveiller moi-même par sa fantaisie, sa grâce, son charme incomparable. Maintenant, c'est un très très vieux monsieur qui n'a plus beaucoup de présence, qui reste plongé longtemps dans des somnolences, dans des apathies, dans des atonies. Et si bien que je me demande avec terreur ce qui se passera quand
Dans quelques années, il vient à disparaître. Surtout pour ma femme, ce sera épouvantable, car nous n'avons pas d'enfants. Il faut bien reconnaître que ce chat lui tient lieu de bébé. Alors je suis arrivé à me persuader que ce chat, qui a été capable de tant de métamorphoses, sera capable de la dernière, et qui ne disparaîtra pas, qui se transformera en autre chose, en une espèce d'animal fabuleux, peut-être en une licorne, lui qui était tout noir. Il deviendrait comme ces licornes du Moyen-Âge qui étaient toutes blanches, et qu'un jour, à la fin de sa vie, au lieu de mourir, d'un vol vertical, d'un vol vertigineux, il s'élancerait au ciel et nous emporterait dans son paradis.